Parlons d'emploi dans ce journal. Le gouvernement ivoirien a mis en place diverses mesures et dispositifs d'insertion professionnelle. En vue de vulgariser cette disposition, la Direction générale de l'emploi a élaboré deux répertoires de mesures incitatives à la création et au maintien des emplois. Ces deux répertoires ont été récemment présentés à Abidjan. Reportage. Deux répertoires, l'un sur les mesures d'incitation à la création et au maintien des emplois, l'autre sur les dispositifs d'insertion en Côte d'Ivoire. Ce sont deux instruments que le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a présentés aux acteurs du monde du travail et de l'insertion, ainsi qu'aux investisseurs. Selon le directeur général de l'Emploi, le répertoire des mesures incitatives à la création et au maintien des emplois constitue une vingtaine de mesures d'ordre réglementaire, fiscal et administratif. Son intérêt est de booster la création d'emplois pour les jeunes, les femmes et les handicapés. L'objectif était de leur permettre de mieux appréhender les répertoires présentés dans le but de promouvoir l'accès à un emploi productif, décent et durable pour l'ensemble des acteurs du monde du travail. De placer l'emploi au cœur de son action se traduit dans la politique nationale de l'emploi, PNE 2021-2025, dont l'objectif général est de promouvoir l'accès à un emploi productif, décent et durable pour tous les hommes et les femmes en âge de travailler, y compris les jeunes et les personnes en situation de handicap, tels que présentés par les films éducatifs que nous avons tous parcourus tout à l'heure. Ainsi, sur le plan institutionnel, plusieurs mesures incitatives ont été prises, tant sur le plan réglementaire que fiscal, pour promouvoir et maintenir l'emploi dans notre pays, avec la contribution de nos partenaires, notamment le secteur privé. Saluant l'élaboration de ces deux guides, le représentant du ministre du Budget et du Portefeuille de l'État a traduit sa reconnaissance au secteur privé et tous les partenaires au développement, ceux-là même qui ont œuvré à offrir des opportunités de travail aux sans-emploi durant cette période de Covid. C'est sur une note d'engagement que le directeur général de l'emploi a déclaré officiellement lancer le répertoire des mesures incitatives à la création et au maintien de l'emploi, ainsi que celui des dispositifs d'insertion en Côte d'Ivoire.